La première fois que j'ai entendu parler d'Alexandra David-Nel, c'était par une de ses lectrices. Elle m'avait fait toute une liste de ses défauts et de ses qualités, les premiers étant nettement plus importants d'ailleurs que les seconds. Elle avait à l'époque 91 ans et cherchait une dame de compagnie pour les quelques jours, disait-elle, qu'il lui restait à vivre. Et ma foi, ces quelques jours ont finalement duré plus de 10 années. Voilà, moi aussi, bien des dizaines d'années plus tard, comme Alexandra David-Nel, j'emprunte le train Joujou, comme elle l'appelait, qui va me faire voyager à travers les Himalayas. Puis de là, j'irai au Sikkim, exaucer, si j'ose dire, le dernier vœu d'Alexandra David-Nel, celui de ramener au monastère de Podang Gompa une statuette historique qui a 6 siècles et qui lui avait été offerte en 1912 par le Maharaja du Sikkim de l'époque, Sidéon Tchupu, qui était devenu pour elle un grand ami. Et peut-être que je vais manquer d'humilité en disant ceci, mais je crois que j'aurai ainsi payé ma dette de reconnaissance que je dois à la terrible et fascinante vieille dame de Sampdenzong. Exploratrice, écrivain, orientaliste, Alexandra David-Nel devient célèbre dans le monde entier en 1925, car elle est la première occidentale à avoir réussi l'exploit de pénétrer dans Lhasa, la ville interdite du Tibet. Infatigable, elle parcourt l'Asie pendant plus de 20 ans. Et s'éteint à Digne en 1969, à l'âge de 101 ans, alors qu'elle vient tout juste de faire renouveler son passeport. Quelle sacrée bonne femme! Quelque temps avant sa mort, elle m'a dit: tu sais, Tortue, je vais mourir. Comme tu m'as connue, il se peut que des gens te demandent de parler de moi. Qu'est-ce que tu diras? Ah, ben ça, madame, je dirai la vérité. Tu peux compter sur moi. Elle dit ça, je sais bien que je peux compter sur toi. C'est bien trop bête pour savoir mentir. Et ça ne suffisait pas. Elle dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu diras encore? Développe un petit peu ton idée. Ah, je dis, madame, vous tenez tellement à le savoir. Eh bien, je dirais au monde entier que vous étiez un océan d'égoïsme, un Himalaya de despotisme. En lui disant ça, je relève mes yeux vers elle. Elle s'était redressée dans son fauteuil, calme et sereine, un magnifique sourire. Elle me dit, ah, je sais que je peux mourir tranquille, que je peux compter sur toi pour dire la vérité. À la mort d'Alexandra, Marie-Madeleine Perronnet, que l'exploratrice surnommait affectueusement « Tortue », reste habitée à Digne, dans la maison de Sampdenzong, la forteresse de méditation, qu'elle transforme en fondation et en musée. Sa rencontre avec Alexandra a donné un sens à sa vie, et elle décide de se consacrer à perpétuer la mémoire de celle qui fut véritablement une femme hors du commun, une aventurière de l'esprit. Alexandra aime à dire que son enfance ne fut pas heureuse. Elle naît à Saint-Mandé en 1868. Son père est un libre penseur et sa mère une bigote qui ne l'aime pas. Entre ces deux êtres qui s'ennuient et lui témoignent une totale indifférence, Alexandra grandit avec déjà l'envie de fuir. À 20 ans, elle est féministe, anarchiste, fréquente les milieux socialistes et publie un premier pamphlet aux idées révolutionnaires en cette fin de siècle. Orgueilleuse et exaltée, elle prend pour devise « Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux ». Franc-maçonne, elle découvre les sociétés secrètes où se propagent les doctrines orientalistes, s'inscrit à la Sorbonne et devient l'une des premières bouddhistes de Paris. Dotée d'une voix de soprano que Massenet remarque, elle obtient un contrat de cantatrice à l'opéra d'Hanoï. Elle y interprète avec succès Faust, Carmen, Manon et écrit même les paroles d'un opéra, Lydia. Son premier roman, Le Grand Art, ne sera jamais publié. C'est en fait un récit inspiré de sa propre vie d'actrice, qu'elle choisit cependant d'abandonner pour mieux se replonger dans ses études orientalistes, qui chaque jour l'attirent davantage. C'est à Tunis qu'elle rencontre Philippe Nel, ingénieur en chef des chemins de fer. C'est un homme séduisant qui l'attire et la rebute en même temps. Elle l'épouse en 1904, ce qu'elle regrette presque aussitôt, car elle est à l'opposé de la vie bourgeoise à laquelle il aspire. Ils ne connaîtront que quelques mois de vie commune, mais pendant près de 40 ans, à travers une correspondance assidue,
Philippe Nel saura être présent à chaque fois qu'elle aura besoin de lui. Grâce à sa générosité, elle pourra recevoir, même à des milliers de kilomètres, l'argent nécessaire pour assouvir sa passion des voyages. Pour approfondir ses connaissances, elle le persuade de la laisser partir quelques mois en Asie. Et en 1911, Alexandra arrive en Inde. Elle ne reviendra que 13 années plus tard. Elle a 43 ans et sa vie pourtant ne fait que commencer. Quelques mois plus tard, elle lui annonce son départ pour le Sikkim, petit royaume d'Himalaya. « 11 avril 1912. Juché sur mon coursier, dans le matin rose un peu lumineux, j'ai songé à Don Quichotte, partant chercher aventure. Je n'avais pas la lance au poing, une simple baguette empruntée à un buisson la remplaçait. Espérons que les moulins à vent, eux aussi, seront en proportion modeste. » Pourquoi donc, mon grand cher, sembles-tu t'inquiéter de ce que tu appelles mon mysticisme croissant? La grande joie, la grande lumière qui met un rayonnement autour de notre vie, n'est-ce pas précisément de voir au-delà de notre personnalité chétive et étroite? Je vis des heures d'adorable paix, pleines de ce transcendant scepticisme qui fleurit dans les sutras bouddhistes et dont la fleur s'épanouit avec grâce, telle une orchidée des vallées himalayennes. Dès son arrivée à Gangtok, la capitale du Sikkim, Alexandra va rencontrer des personnages qui marqueront d'une manière déterminante sa vie future. Elle y est chaleureusement accueillie par le jeune prince héritier Sidéon Tulku, qui est aussi le chef religieux de son état. Alexandra doit toutes ses présentations à tous ces grands pontes de l'époque. Elle le doit à Sidéon Tulku. Il a été réellement le sésame ouvre-toi. Car Alexandra était absolument inconnue à ce moment-là, bien sûr. Et c'est à lui aussi qu'elle doit l'audience privée qu'elle a obtenue avec le 13e Dalai Lama. Et c'était la première fois qu'il recevait une dame blanche. C'était assez fantastique parce qu'Alexandra venait ici pour faire des recherches philosophiques et elle obtenait là des réponses à ses questions philosophico-religieuses posées aux plus grands de l'époque, aux plus grands érudits. Alors c'était une étude faite sur le terrain et c'est ce qu'Alexandra voulait. Car des grands pontes à Paris qui connaissent toutes les racines des mots, toutes les dates historiques, il y en a beaucoup. Comme elle l'écrivait un jour à son mari, j'ai pas besoin d'en faire un de plus. Mais dis, mais moi, quand les gens liront mes livres, je veux qu'ils disent, elle a connu ces gens, elle a vécu parmi eux. Sidéon Tulku est donc le futur Maharaja du Sikkim. C'est un jeune homme extrêmement cultivé, qui a fait les universités occidentales, et il sort d'Oxford. Et c'était un garçon très désireux de faire évoluer son pays. Alors, tous les deux, ils s'associent pour essayer de provoquer une réforme religieuse, de retourner au bouddhisme authentique. C'est là qu'il accorde toute son aide à Alexandra David Nel et qu'ils deviennent intimes. C'est à un point tel qu'un jour il lui écrit, mais c'est pas possible, nous avons dû déjà nous rencontrer dans des vies antérieures, c'était obligatoire que nous nous rencontrions dans cette vie. Et puis peut-être que c'est pas fini, nous nous rencontrerons encore. Pendant ce séjour au Sikkim, Alexandra se sent de plus en plus attirée par le Tibet, cette terre mythique qui fait rêver tous les Occidentaux. Elle ne peut résister à la tentation de franchir cette frontière interdite. Et, complice, Sidéon Tulku lui organise à l'insu des Anglais une caravane pour traverser les cols de plus de 5000 mètres qui la séparent du pays des neiges. 11 juin 1912. Pour l'instant, je reste ensorcelée. J'ai été au bord d'un mystère. Je serais restée là des jours, pour mieux voir ce que je ne reverrai jamais. Oui, je vais en rêver longtemps, toute ma vie, et un lien restera entre moi et cette contrée des nuages et des neiges. À son retour du Tibet, Alexandra rencontre enfin le Gomchen de Lachen, l'ermite, ascète et magicien, le plus renommé du Sikkim. Fasciné par l'attitude religieuse peu commune de ces mystiques tibétains qui cherchent à maîtriser les forces occultes, elle réussit à le convaincre de l'accepter comme disciple. Alexandra passe deux hivers auprès de lui à 4000 mètres d'altitude,
à vivre comme les anachorètes, isolés du monde, dans une caverne aménagée à l'aide d'un toit de paille et d'un mur de pierre. Le Gomchen est lui aussi impressionné par la force de caractère de celle qu'il considère comme le meilleur porte-parole de la pensée bouddhique en Occident. De cette grotte, Alexandra sera plus tard expulsée par les Anglais pour avoir osé pénétrer au Tibet. Sidiong Tulkub, Maharaja de Sikkim. Voilà, avec Sir Charles Bell, Sidiong Tulkub, 13e Dalai Lama. Dans sa correspondance, Alexandra reste extrêmement discrète sur son départ et dans l'Institut de Tibétologie de Gangtok se trouvent conservées toutes les archives relatives à cette époque. Expulsion de Madame Alexandra Daniel du Sikkim. Lettre émanant du superintendant du Sikkim, Sir Charles Bell. Concernant l'expulsion de Madame David Nell, voici le processus à envisager en fonction de sa réaction. Il est tout à fait probable que Madame Nell fasse des difficultés. Il la connaissait bien. Dans la mesure où elle enfreint l'interdiction de se rendre au Tibet et qu'elle a ainsi accompli son désir de voir ce Tibet, il n'y a plus aucune raison qu'elle reste au Sikkim. Si elle refuse de partir, il faudra envisager de ne plus l'approvisionner et si cela ne suffit pas, il faudra certainement l'aide de la police pour l'expulser avec ses bagages. Ah, c'est extrêmement intéressant ça. J'espère que vous allez m'en donner le double pour nos archives. Eh bien, ce long échange de lettres montre qu'ils ont vraiment eu peur d'elle. Hein. C'est étonnant. Certes, elle avait un caractère difficile, c'est pas, je suis bien placée pour le savoir, mais... Ah, tiens, voilà le télégramme final. 14 septembre 1916, Sir Charles Bell donc reçoit un télégramme lui annonçant que Madame Nell a quitté Rangpo, c'est la frontière, le 13 septembre 1916 pour Darjeeling. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est partie sans histoire, mais qu'elle a gardé la nostalgie de sa caverne tout au long de sa vie. À 101 ans encore, elle me disait « J'ai eu une mort bête et sale, pourquoi je ne suis pas morte dans mon ermitage ?» Le Gomchen aurait fait brûler mon corps dans un petit coin, et puis ça serait fini. Les cendres seraient restées là, et ça, c'était une mort grande, c'était une mort belle. J'ai vécu en ermite, sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais deux fois. Au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, lorsqu'on me fournissait ma provision d'hiver. Parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année.
80 ans, elle était là. Quel phénomène tout de même. Et un jour, elle écrit une lettre. Je la savais par cœur autrefois, maintenant je crois que j'ai oublié. Mais elle lui dit, à vrai dire, j'ai le mal du pays, pour un pays qui n'est pas le mien. Le vent glacé qui me taillait dès la figure, qui me laissait les lèvres énormes, les yeux enflés, le vent qui soufflait en rafale, à faire peur, elle dit, tout ça importait peu. Elle était prise par cette ambiance, elle était captivée. Elle dit, je suis montée là-bas trop haut. Elle dit, les dieux se vengent-ils? Mais de quoi se vengent-ils? De mon audace, d'avoir troublé leur demeure ou de les avoir abandonnés? Elle dit, pour le moment, j'en sais rien, je ne sais que ma nostalgie. 9 septembre 1912. Je suis née une sauvage et solitaire, et ces dispositions ont cru tout le long des ans que j'ai vécu. Seuls, on l'est toujours. Les plus chers de ceux qui nous entourent ne sont que les témoins de notre solitude, les compagnons de notre moi extérieur. Mais où est le compagnon du moi intime, caché au fond du cœur, au fond de l'esprit ? La quête d'Alexandra est avant tout spirituelle et intérieure. Ces années passées au Sikkim sont les plus importantes de sa vie, et le retour de la statue qui lui fut offerte en témoignage de l'admiration qu'elle suscitait est comme une boucle qui se referme. Ce geste de restitution est perçu par la population bouddhiste comme un événement particulièrement heureux, car une statue du Bouddha symbolise toujours son corps. Et les moines du monastère de Podang, dont Sidéon Tulku était l'abbé et où Alexandra séjourna, se préparent à honorer son retour. Я вас не знаю.
10 octobre 1912. L'altesse du Sikkim m'a porté ce matin un présent peu banal. Lui-même était fort ému en me l'offrant, et j'ai pensé qu'il devait avoir une bien haute opinion de moi pour me faire un tel cadeau. Ce que c'est ? Une petite statuette de bronze représentant le Bouddha. Elle était conservée comme relique dans un monastère. Lorsque le premier lama de la Karmapa secte quitta le Tibet pour venir au Sikkim, le chef religieux lui donna cette image. Il la transporta dans ses mains et quand il arriva, ses mains étaient remplies d'Amrita, le breuvage d'immortalité. Le miracle est joli et son symbolisme transparent. Envoyer loin de son état cette sainte image était une grosse affaire, et pour les lamas et pour l'altesse. À cause de l'intention avec laquelle elle m'était offerte, j'ai reçu la petite statuette avec quelque émotion et me suis promis de la faire réexpédier à ma mort dans sa patrie. Juin 1913. Du brouillard. De gros nuages errant par les forêts transforment les arbres en géants fantômes. C'est l'Asie mongolique. On se sent loin en traversant ces forêts himalayennes, avec leurs arbres énormes, pourris de vieillesse, tout creux, vêtus jusqu'aux fêtes de longues mousses pendantes. C'est la jungle. En 1916, Alexandra ne repart pas seule du Sikkim. Elle a pris à son service Apur Yongden, un jeune garçon de 14 ans, qui n'hésite pas à tout quitter pour suivre celle qui deviendra sa mère adoptive et son guide spirituel. Ils vont tout d'abord au Japon, où Alexandra fait la connaissance du professeur Kawaguchi. Celui-ci lui raconte comment il a réussi, sous le déguisement d'un moine chinois, à vivre plus de 18 mois à Lhasa sans être découvert. Cette histoire plaît infiniment à Alexandra et cela lui donne des idées. Elle veut, elle aussi, réussir à pénétrer dans la ville interdite. Elle repart, traverse la Chine et s'installe au monastère de Kumbum, aux portes du Tibet, pour étudier les textes sacrés et mettre au point son plan pour atteindre Lhasa. Alexandra, au bout de 3 ans, décide donc de quitter Kumbum et de continuer l'aventure, de traverser toutes ces marches tibétaines, d'essayer d'arriver à Lhasa. Mais elle y part en charrette, avec des domestiques, vêtue de son costume lamaïque, son bonnet de brocart d'or. Évidemment, on la voit de très loin. Elle est repoussée, il n'y a qu'à lire son livre au pays des beaux gentilshommes pour connaître toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. C'est pour ça qu'un jour, en ayant marre d'affronter toutes ces difficultés en Chine, elle abandonne les mâles, les domestiques, la caravane, elle abandonne tout. Et à la seule compagnie du lama Yongden, il décide, elle décide de se déguiser en mendiante. Lui, il est son fils, le lama. C'est lui qui va intercéder pour elle, demander le trajet, acheter la nourriture. Parce qu'évidemment, elle parle le tibétain, mais beaucoup trop littéraire
pour une mendiante ne s'exprime pas comme ça en tibétain littéraire. Alors elle joue le rôle de la vieille mère effacée qui récite son chapelet, Om Mani Padmé Om, Om Mani Padmé Om, tout le long de la route. Et puis souvent le lama dit, ma mère est avec les dieux. Ça voulait dire qu'elle était un petit peu innocente, qu'elle était un petit peu folle, quoi. Alors les autres n'insistaient pas, ils continuent à voir la vieille mère qui égrenait son chapelet. Et c'est comme ça qu'elle a assuré son incognito. Le voyage en lui-même a été extrêmement difficile, car ils étaient sans tente, sans caravane, sans nourriture. Or, le vent, le froid, la neige, ils sont passés par des régions inexplorées, non cartographiées. Alexandra s'est quand même perdue. Elle est restée 6 jours bloquée par une tourmente de neige, 6 jours sans manger, sans feu. Elle est arrivée dans un état épouvantable à Lhasa. Restée là pendant 2 mois, et c'est de là qu'elle est repartie pour Gyantsé, parce qu'elle voulait absolument, elle ne voulait pas remonter vers Kumbum, bien entendu. Le but, c'était de passer par Lhasa et de venir dans le sud dire aux Anglais, eh bien voilà, j'ai fait ma traversée, on m'a expulsée il y a 7 ans, j'ai mis 7 ans pour y arriver, mais je suis arrivée. Ça, c'était sa joie, c'était de rouler les Anglais. Il dit, comment ces gens, ils interdisent l'accès d'un pays qui n'est pas le leur, mais de quel droit? Ça, elle leur en a toujours gardé rancune. Et c'est comme ça qu'elle arrive à Gyantsé, et qu'elle est arrêtée par le capitaine Perry et David MacDonald, qui était agent commercial. Et c'est là qu'elle a attendu que les Anglais lui fassent des papiers, des passeports, car ils prenaient des renseignements sur son itinéraire, ils voulaient savoir si elle n'avait pas été faire de l'espionnage à Lhasa. Alexandra attend ses papiers à Kalimpong, dans l'hôtel de David MacDonald. Aujourd'hui, la maison est toujours habitée par Victoria, une des filles de David MacDonald, âgée de 92 ans. Elle n'a jamais quitté l'Inde et se souvient de l'arrivée rocambolesque d'Alexandra en provenance de Lhasa. In 1924, my late father, the David MacDonald, was made British agent in Gyantsé. He was resting in the afternoon one day when a servant came in and said, "There's a European lady, very ragged, in ragged clothes, and doesn't look well. She wants to meet you." So my father said, "That's my daughter's teasing me. Tell them I'm fast asleep." So in a little while, he heard a voice saying, "MacDonald, Mr. MacDonald, please arrest me. I walked all the way from China through to Lhasa without permission. I'm very sick. I've got dysentery and I'm tired and full of vermin, you know. So I'd like to rest." So she was arrested. And he had to send a cable to London, to the Foreign Office there. A traveler without permit has arrived. What to do? So London sent the cable and said, "Hold her. Don't let her go. Find out her story." So my father said, "Look, I can't give you any money, but my daughters will help you if you like. They'll give you, buy you clothes." A servant went and bought Tibetan clothes, very sober. She was like a nun. And there she was dressed, and she was all right. But she was very austere. Very austere. But she was very fond of her boy. You know, what is his name? Lama Yongden. Yuden. He was excellent. He was very much to look at. You would think that he was very simple. He wasn't. He was very clever. And he loved Madame David Neal. She was so kind to him. He came here too. And I don't remember where he stayed because I was up in Tibet then. But I know the room number 6 is where Madame David Neal stayed. She wanted to be left alone, make her own decision. I used to say, "You must do this, you must do that." She didn't like that. Very strong-minded, you know, but she could be very stubborn. If she didn't want to do a thing, she wouldn't do it. If she had to meet somebody, which my father thought she should, and she didn't like him, she wouldn't meet him. So he used to say, "You know, you're a little bit stubborn. It doesn't matter, I'll give way, you're a lady."
They got on very well, my father and she. She used to call him Daddy. Like we all used to call him Daddy. Daddy. That is my story. Ce voyage à Lhasa va rendre Alexandra mondialement célèbre. Et dès son retour en 1925, les éditeurs se précipitent pour obtenir la publication de son exploit. C'est la consécration. Son récit est celui d'une aventure vécue au Tibet, dans une des plus rudes régions d'Asie que le grand public découvre pour la première fois. Après plus de 13 années d'absence, Alexandra et Philippe Nel décident d'un commun accord de se séparer, et Yongden, qui ne la quittera plus, devient officiellement son fils adoptif. Tous deux s'installent dans les Alpes du Sud, qu'elle qualifie d'Himalaya pour lilliputiens, et elle entreprend la rédaction de récits et d'écrits philosophiques qui lui tiennent à cœur, car elle est persuadée que le bouddhisme est une méthode et un art de vivre, et qu'il fait partie de la pensée contemporaine. Avril 1913. Combien est différente cette sagesse de l'Inde, de la sainteté chrétienne. D'un côté des croyants, en qui vibre l'enthousiasme d'une ardente foi en leur vie, et de l'autre, des philosophes aux yeux impassibles, au sourire un peu ironique, des sceptiques compatissant à l'aveuglement du vulgaire, morts à toute passion, conscients que tout est rêve et mirage. Toute sa vie durant, à l'image des grands penseurs, et sans jamais se départir d'une étonnante lucidité, Alexandra cherche à assimiler et à transmettre la philosophie bouddhique. Un des grands penseurs tibétains contemporains fut Kalou Rinpoche, et Marie-Madeleine l'a rencontré lorsqu'il venait donner ses enseignements en France. Tout comme la pensée occidentale se tourne vers l'Orient pour approfondir une sagesse ancienne, les maîtres tibétains cherchent à adapter leur science de l'esprit au monde moderne qui les entoure. Kalou Rinpoche s'est éteint il y a 3 ans. Et comme tous les grands personnages, son corps a été momifié, puis exposé dans le temple de son monastère à Sonada, où vit l'enfant dans lequel il s'est réincarné. Le bouddhisme tibétain considère la mort comme un passage, un état intermédiaire avant ce que l'on appelle le redevenir. Tous les êtres se réincarnent, ou plus exactement renaissent. Mais quand il s'agit du Dalai Lama ou de chefs spirituels, leur entourage s'attache, à l'aide de prophéties laissées par le défunt Lama, à retrouver l'enfant dans lequel le maître pourra être reconnu. Juin 1927. Les profanes imaginent en général que les bouddhistes croient à la réincarnation de l'âme, voire même à la métempsychose. C'est là une erreur. Ce que le bouddhisme enseigne, c'est que par ses actions et ses pensées, l'homme ou n'importe quel autre être développe en lui des affinités qui le conduisent tout naturellement vers une condition d'existence en rapport avec elle. Oh, God, God.
16 mai 1915. J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont peur de l'instable. Moi, j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui. Et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit. Alexandra a presque 70 ans lorsqu'elle repart une nouvelle fois avec Yongden en Asie. Ils débarquent en Chine alors que la guerre civile fait rage. Les troupes de Chiang Kai-shek affrontent celles de Mao et la guerre sino-japonaise fait fuir les populations dans tous les sens. C'est sous les bombardements qu'elle traverse le pays, en une incroyable odyssée qui tourne au cauchemar, pour finalement se réfugier à Tatsianlu, aux portes du Tibet. La famine est partout, et elle trouve asile chez les missionnaires. Ils se méfient pourtant de cette femme au caractère impossible, qui se prosterne devant les idoles et sape leur travail. Imperturbable, Alexandra la penseuse continue la rédaction d'ouvrages qui révèlent le monde caché du bouddhisme tibétain. C'est là qu'en 1941, elle reçoit un télégramme lui apprenant la mort de Philippe Nel, auquel elle n'a jamais cessé d'écrire. Elle aura ces simples mots : « J'ai perdu le meilleur des maris et mon seul ami ». En 1945, après bien des difficultés, elle se rend à la base aérienne de Kunming pour tenter de rejoindre l'Europe. C'est là qu'elle sollicite l'aide du commandant William Labussière, alors pilote pour la France libre. Un jour, un planton vient me prévenir qu'une dame voulait me voir. J'ai pris ma jeep, suis allé à l'aéroport, j'ai vu Alexandra Davinel et elle me demande « Pouvez-vous me retenir une place sur un avion américain à destination de France ?» Je lui dis « Ça va être très difficile parce que la guerre n'était pas finie et nous n'avions aucun avion à notre disposition. » Je vais voir le général Chenault et il me dit « Mais oui, mais d'accord, me donne une autorisation. » Le lendemain, je viens avec ma simple jeep pour prendre Alexandra. Elle me dit « Ah, mais il y a mes bagages. » D'où sortait-il ? Je n'en sais rien. Des caisses, des volumes, des documents entassés, même pas ficelés. Et un fatras qui dépassait très largement la jeep. C'était extravagant. Inutile de vous dire que sur le terrain, ça surprenait tous ceux qui passaient. Tous les mécanos, tout l'équipage venait voir, on met tout ça dans l'avion. Mais quand même, elle était irritante par moments. Parce qu'on sentait la femme qui exige. Quand elle demande quelque chose, quand elle dit quelque chose, quand elle sollicitait quelque chose, il ne fallait pas protester ou faire une réflexion, il fallait s'exécuter. C'est tout ce qu'elle voulait. A-t-elle réalisé l'importance de ce qui avait été fait à son égard ? Non. Absolument pas. Absolument pas. Mais... C'était Alexandra. De retour en France, Alexandra se replonge dans ses travaux d'orientalisme et elle se retire à Digne, dans Samtenzong, sa forteresse de méditation, en compagnie de Yongden, qui meurt soudainement en 1955. L'irréductible Alexandra se retrouve seule et désemparée et vit plusieurs années repliée sur elle-même. Elle a la chance, à la veille de ses 91 ans, de rencontrer Marie-Madeleine Perronnet. Cette jeune femme de 29 ans devient peu à peu sa secrétaire, sa confidente, et grâce à son dévouement, la véritable nature d'Alexandra réapparaît. Je suis arrivée auprès d'Alexandra Davidnel le 17 juin 1959, à 14h exactement, alors que je ne connaissais rien d'elle, rien du bouddhisme, rien du Tibet. Elle était assise dans son fauteuil.
On ne voyait d'elle qu'un regard extraordinaire et un chignon blanc. Elle avait une chevelure extraordinaire aussi. Elle me dit, asseyez-vous, mademoiselle. Merci, madame. Comment vous appelez-vous? Marie-Madeleine Perronnet. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 29 ans le 30 juin. Quelle est votre religion? Catholique. Elle me fait une interview en règle, elle me fait parler beaucoup de moi, de ma famille, et puis tout d'un coup, elle me dit, mon enfant, ne me quittez pas et vous verrez, je ne suis pas une ingrate. Moi qui, un moment auparavant, lui avait dit que j'avais passé ma vie à m'occuper des bonnes œuvres, de la veuve, de l'orphelin, de la Croix-Rouge et que sais-je, je n'allais pas laisser une femme de 91 ans qui me disait qu'elle allait mourir dans les 2 heures. Moi, je l'ai cru. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous pouvez compter sur moi. J'ai ma pochette de toilette chez ma sœur, je vais la chercher dans 5 minutes, je suis auprès de vous, je passe la soirée avec vous, la nuit s'il le faut, je ne vous abandonnerai pas. Très bien, faites vite. 5 minutes plus tard, je fais mon entrée solennelle auprès d'Alexandra Davidnel, avec pour tout bagage ma brosse à dents. D'heure en heure, Alexandra commence à me raconter sa vie, elle rajeunit. Le dîner arrive, elle avait ma foi un solide appétit, une digestion apparemment très facile, et tout se passe à merveille comme ça pendant 3 jours. Alors tout d'un coup, je lui dis, mais madame, je suis toujours vêtue de la même petite jupe, du même petit tricot, et puis ma famille ne sait pas où je suis, peut-être que je pourrais aller leur dire où je me trouve. Elle me dit, faites vite, je vous donne 1h30. Je prends sa 4 chevaux, en 1h30 je pars, je fais mes bagages, je dis au revoir à ma famille, et quand je reviens, elle me dit, voilà, j'ai téléphoné au taxi, monsieur Belon, il vient nous chercher, demain nous arrivons à Digne. Vous allez vivre dans une belle villa, 3 terrasses, un parc de roses à contempler, des couchers de soleil sublimes, vous allez voir, vous allez être très heureuse auprès de moi. Eh bien, madame, qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Moi, je me rappelle, au volant de ma 4 chevaux, madame Nel était dans le taxi avec les bagages. Moi, au volant de ma 4 chevaux, je hurlais tous les chants possibles, imaginables, même patriotiques, les chants que nous hurlions encore les vacances. Et nous arrivons devant Somtenzong. Où se trouve Somtenzong, la belle villa aux 3 terrasses? Je la cherche. J'envoie quelques pans de mur à travers une jungle impénétrable. J'essaye de monter. Les herbes qui avaient poussé sur la route freinent mon ascension, bien entendu. Les rosiers, où sont-ils? Alors, ils sont peut-être là, probablement, mais dans les herbes. Je suis quand même assez stupéfaite au pied de Somtenzong. Mais ça, c'est rien. La porte finit par s'ouvrir. Et nous pénétrons dans la maison d'Alexandra Davidnel. Alors là, comment décrire ma stupéfaction? Il n'y a pas de mots. C'était sombre. C'était froid. Il y avait des objets que je n'avais jamais vus. Des dorgés, des tibias, des crânes. Et puis en plus de ça, non seulement je ne connaissais pas tous ces objets, mais il y avait des araignées, des souris, des cafards, ça courait de partout, ça pendait de partout. Alors il y avait la vieille Fernande, la bonne, qui était là depuis, qui servait Madame Nel depuis plus de 30 ans, qui me dit, vous savez madame, Madame Nel est bouddhiste, on n'a pas le droit de tuer les araignées. Vous savez là, on me dit qu'elle est bouddhiste, on m'aurait dit qu'elle était la fée Carabosse, on m'aurait dit n'importe quoi, j'étais prête à tout croire. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Après la fatigue du voyage, je pensais à une femme de 91 ans, on pouvait penser qu'elle serait fatiguée. Non, non, pas du tout. Elle s'installe, elle sort son manuscrit, à l'époque elle travaille sur immortalité et réincarnation, elle prend sa loupe, ses crayons, ses dictionnaires et elle se met au boulot immédiatement. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière littéraire, entre guillemets, car elle me dit, tu vas aller dans la bibliothèque, ça, elle avait une mémoire extraordinaire. Elle me dit, si elle me disait, il est sur la 3e étagère, un peu à gauche, avec une lustrine verte, je le trouvais à cet endroit-là. Mais elle me donne quelques titres. C'était le Dhammapada, la Bhagavad Gita, la Sarvaka Gita. Moi, c'était des mots que je n'avais jamais entendus. J'avais donc monté 3 marches, Bagada, Bagada, je ne savais plus rien. Alors je redescends et je lui dis, écoutez, madame, moi, je veux bien vous aider, mais voulez-vous la liste des livres que je dois aller chercher dans votre bibliothèque? Elle me regarde avec un air de dire, mais quelle imbécile celle-là, qu'est-ce que j'ai auprès de moi? Alors moi, quand j'ai vu que son visage s'empourprait, que la colère allait lui monter, moi, comme j'étais quand même assez surprise après ce qu'elle m'avait dit de sa maison, de me trouver dans ce Capharnaüm, je lui ai dit, écoutez madame, moi vous m'avez dit à Aix-en-Provence que chez vous, vous n'aurez rien à faire, et que maintenant vous me faites faire des recherches dans des livres langues que je ne connais pas. Donnez-moi le temps d'apprendre quelques mots de sanskrit tibétain, si encore j'y parviens. Et j'ai terminé mon laïus en lui disant, maintenant si vous n'êtes pas contente madame, je peux partir immédiatement. Et dans mon esprit, comme je la connaissais que très peu, mais suffisamment, j'ai cru, j'ai dit, elle va prendre sa canne et me dire, prenez la porte. Eh bien, pas du tout. Elle a été ravie de ma réaction, ravie de voir que je lui tenais tête, c'était dans le fond ce qu'elle voulait, puisqu'un jour, elle m'a dit, oh moi, de ces vieilles qui étaient grosses, avec des gros ventres, et puis qui me disait, oui madame, bien madame, je voulais rencontrer quelqu'un de jeune, et puis d'un petit peu, elle n'en a jamais dit plus. Alors, est-ce que j'ai été un petit peu ou beaucoup trop, je ne sais pas, mais enfin, ça a duré 10 ans. À 101 ans, celle qui fut une aventurière de l'esprit, toujours curieuse du monde qui l'entoure, nous laisse un témoignage plein d'humour et de lucidité. Madame, si vous avez voyagé en Inde, au Tibet, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie pour vos voyages. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose,
Mais voyez-le, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionnée de façon à ce que je choisisse cela? Ça, c'est une question de philosophie. Oui. Ça n'a rien à faire avec les voyages. Madame, je voudrais vous poser une autre question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écrivent? Beaucoup de gens m'écrivent pour me demander des miracles. Ils veulent que je fasse. Il y a même quelqu'un, une dame qui s'est présentée là, et qui m'a dit un jour, mais il y a de ça un peu longtemps, montrez-moi des actes de magie. Alors moi, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait entendre par des actes de magie. Elle voulait peut-être que je m'élève jusqu'au plafond, des choses semblables. Mais ce n'est pas mon genre, ça. Alors ces gens-là, ils me demandent surtout des guérisons. Et quelquefois, je fais des miracles, tu sais. Parce qu'il y avait une femme qui m'a écrit qu'elle était paralysée depuis des années, elle est dans son lit, elle ne peut pas en bouger, et enfin que je la guérisse. Alors moi je lui ai écrit, madame, je ne peux pas guérir ces choses-là, consultez un médecin, il vous dirait peut-être d'essayer de faire prendre un peu d'exercice, enfin, il vous dira des choses. Voilà que par le retour du courrier, je reçois une lettre de la même dame qui me dit, oh madame, que je vous remercie. Je n'avais même pas encore ouvert votre lèvre. Le fait de tenir l'enveloppe dans ma main m'a guéri. Je me suis levée, je marche et tout est guéri. Alors j'ai dit tant mieux, je suis enchantée. Et alors celle-là qui est malicieuse. Celle-là, c'est sa secrétaire. Elle me dit, mais écrivez-vous donc une lettre à vous-même, puisque vous souffrez de rhumatisme. Je lui ai dit, oh non, ça ne marcherait pas avec moi. J'ai pas la foi. La fin d'Alexandra a été triste, surtout pour moi, pas pour elle, car un jour elle a posé son crayon sur la table et elle m'a dit, tu sais, cela se sent, comme disait mon papa, je vais mourir. Je lui ai dit, enfin madame, vous n'avez rien pour mourir. Comme j'étais arrivée 10 ans auparavant auprès d'elle, elle allait mourir dans 2 heures, et que pendant 10 ans elle était restée à 2 heures de la mort, quand c'est arrivé, évidemment, je ne croyais plus. Alors elle me dit, non, mets-moi ma robe de nuit et mets-moi dans mon lit, dans mon trou, dans son fauteuil, puisqu'elle n'a jamais dormi dans un lit, elle dormait dans son fauteuil. Je l'installe et elle s'est laissée mourir. Et ce qui a été extraordinaire pour moi, c'est qu'à un moment donné, elle ne me reconnaissait pas. Et comme ça avait été une femme du meilleur monde, très bien élevée, j'étais une étrangère qui était venue lui rendre visite. Alors elle me parlait, elle s'obligea à me tenir la conversation. Et ce qui a eu de merveilleux pour moi, c'est qu'elle m'a parlé de moi, à moi-même. Alors comme ça, j'ai su ce qu'elle pensait de moi. Parce qu'elle était plutôt avare de compliments de son vivant. Mais enfin là, j'ai vu que ma foi, sa tortue, elle l'avait quelquefois appréciée. Voilà, quand on a vécu longtemps parmi les paysages étranges du Tibet, fréquenté quelques-uns des personnages étranges qui y habitent, on se sent porté à ne douter de rien, de ne douter de rien, et de douter de tout. Y a-t-il une réalité derrière les images que nous voyons, derrière le panorama du monde ?